Bonsoir. Vous voulez rire? Oui. Moi aussi. Moi, j'ai envie de rire parce que j'ai eu des difficultés dans ma vie, surtout avec les filles, hein, à cause de mon handicap. Oui, j'ai eu des difficultés à cause de mon handicap. Et une fois, une fille m'a insulté sur mon handicap et ça m'a fait mal. Ça m'a fait vraiment mal. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ta bouche sent. Et tellement quand on te dit ta bouche sent, tu es dans le doute, tu pars à côté faire ce que tout le monde ici a déjà fait. Tu pars à côté, tu fais ça. J'ai perdu connaissance. Ah oui, j'ai perdu connaissance. Et moi, ce n'est pas le genre d'odeur qui peut partir après un coup de brosse à dents. Non! Non! Moi, la décharge de Midoubé m'a porté plainte pour usurpation de fonction. Ah, elle a senti la concurrence monter. Elle a senti la concurrence monter. Et moi, je suis handicapé moteur de la bouche. Handicapé moteur de la bouche. C'est pourquoi je ne démarre jamais les conversations au risque d'avoir les réactions du genre « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il sent comme ça ?»« Mami, 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 mami. Amounou Tsouloua. » Je vous assure, c'est compliqué. Et nous, les handicapés de la bouche, on a un réflexe. On aime parler aux gens de près. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. On aime parler aux gens de près. Et la réaction de la personne en face te fait bien comprendre que là, tu as chié. Et c'est difficile, même au niveau du travail. Moi, j'ai fait du secourisme. Oui, j'ai fait du secourisme. Et on m'a appris toutes les techniques de premier secours. Mais j'étais le seul à qui on a interdit. Voilà. Mais vous savez, les Gabonais, nous sommes têtus. Je l'ai fait une fois à une fille qui est en train de se noyer. Ouais, je l'ai fait une fois, ouais. Et aujourd'hui, paix à son âme. Une fois, elle est même venue dans mon rêve. C'est à cause de toi que je suis dans l'au-delà. C'est à cause de toi que je suis dans l'au-delà. Elle a voulu m'attaquer, j'ai fait ah. Elle est redécédée. Je vous assure. Et c'est compliqué de dire à l'autre que sa bouche sent. Surtout si c'est ton père. Mais grâce à Dieu, mesdames et messieurs, je suis tombé amoureux. Oui, c'est difficile, mais je suis tombé amoureux. Oui. Et moi, ce que je ne savais pas, que quand je suis amoureux, je fais des trucs que je ne comprends pas. La dernière fois, j'ai vu le petit collant noir de ma femme posé sur le lit. Tellement je suis amoureux, j'ai pris le collant, j'ai senti. Ah, l'amour. Tellement c'était bon, j'ai goûté. Et après, je suis allé laver. En frottant, je me suis rendu compte qu'il est blanc. Quand je regarde dans le sol, l'eau était tellement sale. Je suis allé verser dans le caniveau. Là, il y a un rat qui est sorti. Si tu veux, tu crois. Si tu ne veux pas, tu laisses. Il y a un rat qui est sorti. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, votre comportement était manque de bienséance notoire, croquignolesquement disproportionné. C'est un rat qui a un doctorat. Je suis allé voir ma femme. Pas, chérie, pourquoi le collant a été sale comme ça? Elle m'a regardé, elle m'a dit, oh chérie, tu as lavé le collant que ma grand-mère portait quand elle était décédée. Personne n'a lavé le collant là depuis 1994. Tu as fait quoi avec? Rien. Mais tellement le problème persistait, je suis allé voir un pasteur. Oui, oui, parce que moi à la base, je prie God, le Dieu anglais. Je suis allé voir un pasteur. Il m'a regardé, il m'a dit, tu as l'esprit de Pubellus Publicus? C'est en coréen. Faut voyager, madame. Il m'a regardé, il m'a dit, tu as l'esprit de Pubellus Publicus. Ils ont commencé à prier, ils m'ont imposé les mains, ils m'ont même imposé les pieds. Après, le pasteur m'a dit, viens montrer la puissance du Saint-Esprit. Souffle-moi un amen. J'ai fait amen. Il m'a dit, mon petit, ton esprit est résistant.